tout le monde, enfin bonsoir, 19h et c'est l'heure du rendez-vous Aime ton corps. Ce soir c'est notre première séance de stretching. Voilà, donc j'ai hâte de tous vous retrouver. Oh, ben vous êtes déjà tous là. Ah ben en fait le live avait déjà commencé et j'étais pas encore là. Bonjour à tous. Enfin, est-ce que vous réussissiez à me voir avant ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bonjour. J'ai l'impression qu'en fait, vous étiez déjà là. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est pas grave. Moi, la technologie, vous savez, je découvre de jour en jour. Ah, c'est parce que je l'ai planifié, Ali. Donc, c'est ça que tu disais. Donc, en fait, les gens peuvent se connecter avant que je sois dessus. Ah, c'est pas mal du tout. D'accord, d'accord. La Belgique est ready. Yes, la Belgique. Ah, mais c'est génial. Et du coup, vous pouvez déjà vous parler avant. Mais c'est génial. Alors, ça veut dire que si je planifie mon live 10 minutes avant, vous pouvez déjà tous vous retrouver et vous raconter comment ça a été. Je trouve ça génial. Salut Marion. Marion P, est-ce que c'est Marion ma cousine? Ah, tu viens de faire la séance des bras? Ah, ben d'accord. Génial, génial. Ah non, Clermont-Ferrand, Marion P. Ok, bah, j'ai ma cousine qui s'appelle Marion P. quelque chose aussi. C'est pour ça que je pensais que c'était ma cousine. Bah écoute, salut Clermont-Ferrand alors. Ravie de te rencontrer. J'ai mal partout, alors je compte sur toi. Ok, ok. Tac, tac, salut. Salut Darik, salut. Eric et Davina sont là? Je ne les ai même pas encore vus. Salut Morrigan, salut Sabrina. Oui, le stretching va faire du bien à tout le monde, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon petit message sur Insta, mais pour ceux qui les ont, ce serait très utile. J'ai un petit tapis de yoga, comme vous pouvez le voir derrière. Et moi, j'ai pris une petite bande comme ça, mais une serviette suffira amplement. Donc, je vous ai dit de prendre ça. Ça, c'est juste si jamais vous ne réussissez pas à attraper votre jambe dans la suite des exercices. Alors aujourd'hui, ça va être une séance beaucoup plus calme, n'est-ce pas? Histoire de étirer tous ces muscles que nous avons travaillés pendant cette première semaine du programme. Alors déjà, je souhaitais vous remercier parce que je reçois plein de messages quotidiennement de la part de vous tous, de tous les participants ici. Donc je suis ravie, ravie. Et quoi d'autre? Qu'allais-je vous raconter? J'allais vous raconter quelque chose. Ah oui, effectivement, la séance de demain, donc, qui est censée être plus street, ça va être du cardio. Et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé leurs idées de musique, parce que demain, je fais une spéciale confinement coronavirus Covid-19. Donc, en fait, la playlist est tout simplement faite par vous. J'ai quasiment finalisé, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon Instagram. J'avais posé une question, vous pouvez me l'envoyer, ou même ici dans le chat ou en commentaire en dessous, n'hésitez pas. Voilà, donc ce sera une playlist un peu fun qui va nous faire nous sentir mieux. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer ce confinement. Et si ça se trouve, vous allez être stock avec moi, ici, devant votre petit écran pendant encore un bon petit moment. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux et de bien s'amuser. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos avant, après, parce qu'il va y avoir des gagnants. Demain matin, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail, forcément, avec toutes les infos sur ce petit jeu concours qui démarre dès demain. Donc voilà, restez connectés. On est quasiment déjà à 90 personnes, donc je pense qu'on va commencer la séance tranquillement. Je regarde un peu vos commentaires, un peu mal au dos, mais ça c'est peut-être, ça vient peut-être des abdos aussi, hein. Salut Emma, moi aussi je viens de faire la séance des bras, elle tue. Mais vous savez quoi, moi j'ai encore un petit peu mal, je viens de me rendre compte, je ne me suis pas assez stretchée hier au niveau des bras. oui, on peut tout à fait faire ça pieds nus, regardez. Ah, moi je suis pieds nus. Donc c'est même mieux pieds nus, puisque vous pouvez mieux travailler vos petits orteils. Alors, aujourd'hui, vraiment, faites-le à votre rythme, ok? Pour ceux qui sont plus ou moins souples, je vais vous donner des instructions, donc la musique ne sera pas très forte. Ce sera juste vraiment de la musique en background, parce que quand on fait du stretching, c'est très important d'avoir des bonnes positions. Donc, je vais beaucoup vous parler et je vais essayer d'avoir une voix tendre et délicate et d'éviter ma voix militaire allemande de quand je donne des cours de HIIT ou de cardio. Et hop,
aller. Hop, on y va. On prend notre serviette, notre petite bandelette, ce que vous avez. Vous la mettez à côté de vous. Et on va commencer. On commence debout et ensuite, on va aller au sol. Ah oui, avant de commencer, petite question. Est-ce que vous avez chez vous des tapis de yoga et des serviettes, je suppose que oui, mais des tapis de yoga, juste pour savoir en général. Hop, hop, hop. La séance, elle va durer à peu près 25-30 minutes, voilà. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas grave, je vous redemanderai ça après la séance, parce que je crois que je vous ai un petit peu en décalé vos messages. Tapis, oui, non, un non pour le moment. Ok, alors si c'est un non, juste ne le faites pas sur du carrelage. Faites-le plutôt sur du parquet, parce que le carrelage, ça peut vous faire mal, ok. Et prenez une serviette, par exemple, si vous n'avez pas de tapis de yoga pour le moment, prenez une serviette. Prenez le temps, là, prenez 20 secondes, 30 secondes, ou récupérez un petit peu le live pour pas vous faire mal aux articulations au dos. C'est très important. Pas de tapis de yoga, c'est pas grave. Vous prenez votre serviette de bain. Boum, une serviette de bain, une couverture. Enfin, pas une couverture épaisse, mais un plaid que vous pouvez doubler. Mais ça, c'est surtout... Si vous avez de la moquette, c'est pas un souci. C'est juste si vous le faites sur une surface dure où ça peut faire mal. Moquette, ben nickel. Okay, si c'est de la moquette, ça va. Tapis et bande élastique, génial. Ok, ok. Bon, la plupart d'entre vous, vous l'avez. Les autres, allez récupérer donc une couette, quelque chose, juste histoire de ne pas vous faire mal au dos. Allez, on y va, c'est parti. La petite musique en background. Hop. Chac. Ok. Alors, attendez, je crois que je vais peut-être... Tac. Je vais peut-être vous mettre en bas en fait. Ouais, je vais vous amener en bas. Je pense que ça va être mieux. Tchac. Parce que, étant donné que c'est stretching, hop, salut. Je pense que ça va être mieux si vous êtes en bas. Ouais, je pense que ça va être mieux. Hop. Alors, pour le début, on est encore en haut et après, on va descendre, ok. Donc, on va aller vers la droite. On prend notre bras gauche. Hop, vers le haut. Et on vient ici en diagonale. On reste ici. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait des petites pulsions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de chance. De chance. De sens. Hop, vers la gauche. On reste. Ok, et pulsion. 1, 3, 5, 6, 7, encore. 2. Ok, très bien. Maintenant, on va twister vers la gauche ici. Et on va essayer de garder notre dos plat. Ok, les bras de côté. Mon bras gauche est dans le prolongement à gauche, pardon. Mon bras droit en avant. Hop, dos bien plat. Ok, en arrière, le bras, on va le mettre ce qu'on appelle en couronne, ça le tire au-dessus de la tête, et on vient en arrière avec le haut du corps. Faites à votre rythme, attention si vous ne pouvez pas aller trop loin, allez ici, cambrez pas trop. Ok, on revient ici par le centre, on descend doucement, on vient et on vient en arrière ici, couronne, pareil mais de l'autre côté. Et on inspire, on expire, bien évidemment. En avant, dos plat. Attention, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Ici, vraiment, on allonge le dos. Le bras gauche est en avant. Et le bras droit, il est ici de côté. Ok, super. On revient vers le centre. Nos deux bras, ici. On va faire un grand plié. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore un. On inspire. On expire.
Dernier. On inspire. On expire. Ok, super. Maintenant, on va doucement rouler notre tête le haut du corps. Pour ceux qui le peuvent, on va poser nos mains par terre. Pour ceux qui n'y arrivent pas encore, prenez vos coudes ici et relâchez votre haut du corps ici. Ok? Là, ce qui va être important, même chose, c'est d'avoir le dos bien droit. Ce que je ne veux pas, encore une fois, c'est ça. Sinon, ça n'étire pas. Je préfère que vous alliez moins loin, mais que votre dos il soit bien droit. Ok? Hop. Ici, pareil, attention, vos hanches, pas derrière les talons. Au-dessus des talons, votre poids du corps. Ok? On reste. On tend bien nos jambes. Ok, restez. Maintenant, vous allez plier votre jambe droite. Et on attend. On plie. On tend. On plie. On tend. Encore 4. On plie. On tend. Juste la jambe droite. On plie. On tend. Encore 2. On plie. On tend. Dernier. On plie. On tend. Super. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Ok? On tend. On plie. Normalement, là, vous êtes avec la jambe gauche. On plie. On tend. Pardon. On plie. On tend. On plie. On tend. Encore. On plie. On tend. On plie. On tend. On plie. On plie l'autre jambe et on monte doucement. Ok, attendez. Restez les bras. Pardon, les jambes écartées. Je viens de me dire que ça allait être mieux si je prenais ça ici. Comme ça, j'ai vos commentaires en direct si jamais vous avez des questions. Ok, donc maintenant, on va ramener les deux jambes. Hop, ici. Les deux bras, on les met en arrière. Et on tend les deux jambes. Même chose, on essaye vraiment de garder le dos tendu au max. Et on relâche la tête. Ok, on pose les mains devant maintenant. Et on plie notre jambe droite. On plie la jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Et on plie les deux jambes. Ok. Maintenant, on remonte tranquillement. On déroule le dos tout doucement. Hop. On enroule à nouveau. On plie. On descend. Et on remonte. On déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Notre tête est lourde. C'est vraiment la dernière chose à remonter. Hop, dernier. On enroule. Ok. Très bien. Attention, maintenant, on va rester en bas. On va commencer à travailler les gambettes. On va prendre notre jambe droite et tourner vers la droite. Hop. Et on y va. On commence à s'étirer, bien évidemment. Donc, on va rester dans cette position ici. Attention, ce qui est très important dans tout ce qui est fente, c'est de ne pas ouvrir sa hanche. On veut vraiment avoir nos hanches qui soient toujours carrées, ok? Ok, très bien. On reste ici. Ok, maintenant, on va lever notre bras droit vers le ciel. Ok, on reste ici. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8. On va revenir vers le centre. On va poser notre genou ici. On va redresser notre buste. On amène les deux bras en haut et en arrière. Encore 2, 8. Et on tient et on ne tombe pas comme moi.
revient en avant, tout doucement. On lève la jambe et on vient de côté. Hop. Ici, on va essayer de descendre notre postérieur maximum. Attention, votre genou ne doit surtout pas aller en avant. Vraiment ici, il faut faire attention à le tirer vers l'extérieur, ok? Votre pied gauche est flexé. Vous restez bien ici et votre dos pareil, pensez à ce qu'il soit droit. Ne vous affalez pas comme ça, ok? Poussez ici et normalement, ça devrait pousser au niveau des adducteurs. Et on pousse bien évidemment notre genou vers l'extérieur. Ok, on va switcher de sens. Décidément, aujourd'hui, j'ai un problème avec le mot sens et change. Hop! On reste ici. Je lis vos messages en même temps. Donc pareil ici, on essaie de bien tendre le genou. On flexe notre pied et on s'efforce vraiment à ouvrir ce genou vers le côté. Encore une fois, on ne veut pas que ça tombe en avant, ok? On ouvre bien et on tend notre dos. Allez, encore un tout petit peu. Et on va faire notre fente vers la gauche. Hop, on y va. Fente. La même chose, faites bien attention à garder votre hanche carrée. Vous ne voulez pas l'ouvrir. Encore 2-8. On sourit. Et on ouvre. C'est parti. Ah. 2. Et 3. Et 4. Parfait. On revient tranquillement. On va faire un petit switch. On vient ici. On pose nos mains au sol. Et on va de droite à gauche tranquillement. Yes. Parfait. Ok. Très bien. Maintenant, on va ramener nos pieds au centre. Hop. On descend. Et on se met sur le dos. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Tac. Alors, ici, on va se mettre sur le dos. On va attraper nos deux jambes. Ok? Hop. On les ramène vers la poitrine par des petites pulsions. On fait ça 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous allez prendre la jambe de votre choix. Hop, vous étirez l'autre le long du corps. Donc, l'autre jambe, vous la collez vers la poitrine. Votre genou bien en face de la poitrine. Vos hanches restent bien carrées. Ok? On tire ici. Vraiment vers la poitrine. Et on respire. Ok. Ici, on va attraper notre pied si on peut. Et on pousse dans le sol. On n'oublie pas de tendre la jambe de terre. Ok. Et c'est maintenant que vous allez prendre votre serviette. Si besoin. Si vous avez besoin de votre serviette ou de votre élastique, vous le prenez maintenant. Ça, c'est pour vous aider. Ici, on va tendre la jambe. Donc, si jamais vous n'êtes pas assez souple pour l'attraper avec les mains, vous prenez une serviette ou un tissu ici. Vous le gardez bien flex. La jambe, elle est bien flex. Et vous tirez un peu la jambe vers vous. Attention, il ne faut pas que ça craque, ok? On fait ça tranquillement. Donc, ça, c'est pour les débutants qui n'arrivent pas à attraper leur jambe. Ceux qui arrivent à attraper la jambe, attrapez votre jambe. Attention, je ne vous demande pas de faire le grand écart maintenant. C'est notre première séance de stretching. Donc, on y va tranquillement, ok? On ne tire pas trop. Ok. Maintenant, on va pointer. Et on flexe. Flexe. Normalement, là, ça tire tout derrière. Et on décontracte les épaules. On pointe. Ok, maintenant rapide, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, encore, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe,
lorsqu'on va souffler, on va essayer d'amener la jambe au maximum. Mais attention, pas de claquage. Encore une fois, on étire, on ne tire pas. Ok? Donc, inspiration. Et on tire. Attention à ne pas ouvrir la jambe. Si vous amenez la jambe de côté ici, ce n'est pas bon. On peut vraiment la garder en face. Allez, on tient 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Parfait. On relâche. C'est bien. On shake. Et on change de jambe. Prenez la deuxième jambe. Hop. On étire l'autre au sol. Et on attrape le genou. Je regarde. Oui, on m'entend bien. Hop, hop, hop. Je prends les commentaires. Poussez le genou bien vers vous. On m'entend bien. Génial. Hop. Encore une fois, tendez bien votre jambe de terre. Ok, super important. Ok, très bien. Maintenant, ici, vous allez pousser celle-ci dans le sol. On attrape le pied. Et attention de ne pas ouvrir votre hanche. Encore une fois, il faut vraiment que vos hanches restent alignées. C'est le plus important. Et on pointe la jambe de terre. Ok. Vous allez prendre votre serviette. Vous la mettez autour de votre ankle, comme on dit en anglais, de votre cheville, et vous tirez. Hop, et on se met en flex. Alors là, vous pouvez le voir, moi je préfère le faire avec la bande parce qu'en fait je m'étais blessée ici. Donc la jambe droite a perdu beaucoup de souplesse pour moi. Je fais encore mes grands écarts, mais je tire jamais trop dessus. Donc quand vous avez une élongation ou quelque chose comme ça, il faut continuer à travailler dessus, mais sans forcer. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. On reste ici. Et on pointe. Encore une fois, attention à ne pas relâcher votre jambe de terre. Très souvent, on a tendance à la laisser partir. Surtout pas, il faut bien garder vos hanches alignées. Ici, il faut bien pousser. Je ne veux pas avoir de hanches qui remontent. Vos hanches doivent être bien alignées. Ok, on flex encore. On inspire, on expire, c'est très important. Et on souffle. On pointe, inspire. On souffle. Inspire. On souffle. Ok, très bien. On flexe. On pointe. On flexe. On pointe. On flexe. On pointe. On flexe. Encore une fois. On flexe. On pointe. On flexe. On pointe. Encore. On flexe. On pointe. On flexe. On pointe. Dernière étape. On inspire et on expire. On tire la jambe vers nous. Attention à garder votre jambe de terre au sol et à ne pas ouvrir la hanche. On inspire, on souffle et on relâche. Bravo! Bravo, bravo! Hop, je lève tout ça. On relâche nos deux pieds. Ok. Alors. J'ai rien de me rendre compte que la musique tournait en boucle. Dernière petite étape. Alors, ce travail-là, c'est un travail, en fait, pour amener au grand écart. Okay? Mais bien évidemment, il faut le faire étape par étape. Donc, ici, on va pousser nos hanches, non pas en avant pour le début, mais plus dans le sol. Okay? On va vraiment essayer d'amener notre bassin dans le sol. Mon genou est au-dessus de mon talon. Ok, on va rester ici. Bon, une fois, choisissez votre côté. Moi, j'ai commencé par ma jambe gauche qui est votre jambe droite, vers la droite. Ok. Maintenant, on va aller plus en avant. On va vraiment pousser. Et là, vous devez sentir le psoas ici qui tire. Même chose, je ne veux pas voir ça. Ok. Très important de garder vraiment votre hanche dans l'alignement de vos épaules et de votre bassin. Ok. Maintenant, le bras qui est devant, vous allez le mettre devant vous. Avec l'autre, vous allez attraper votre pied qui est derrière et vous allez tirer en avant.
tire bien. Pareil, prenez la serviette si vous ne réussissez pas à toucher votre pied. Ici, attention, on va venir en avant. Donc, même chose. Ça va être l'avant de la jambe qu'on va tirer. Je ne veux pas avoir de dos rond, ok? On reste vraiment bien droit ici. Même chose, hanche alignée. Je ne veux pas voir ça. Hop, non, le bassin, tout doit être carré, carré. Et on flexe bien le pied de devant. Ok, très bien. Maintenant, on va faire une petite bascule ici. On revient en fente comme tout à l'heure et on va aller d'avant en arrière. Très bien. Alors, pour ceux qui le veulent maintenant, on va pouvoir descendre doucement en grand écart. Pour ceux qui ne savent pas encore faire le grand écart, vous restez ici, vous gardez vos hanches bien carrées, parallèles, ok? Si ça, c'est le maximum que vous puissiez faire, c'est très bien. Le but pour vous, le premier but, ça va être de lever votre jambe qui est derrière, ok? Ne pensez pas aller devant. Pour ceux qui peuvent, vous y allez. Pour les autres, non, ok? Donc attention, moi j'ai un peu perdu en souplesse, parce que comme je vous ai dit, je me suis fait deux claquages. Donc ma hanche est un petit peu ouverte. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Je préfère que vous soyez bien haut, restez bien haut, ok? Pour ceux qui peuvent le faire, on y va, on tire notre bassin. Ok, on relâche, on change de jambe. Bravo tout le monde. Oui, ça tire, ça tire. Attention, encore une fois, si vous tremblez, là je vois qu'il y en a qui marquent ça, on amène l'autre jambe devant, ok? Hop, même chose, première étape, bassin dans le sol, pas en avant, dans le sol. Donc il y en a qui me disent, là, qui m'écrivent que vous êtes en train de trembler. Si vous êtes en train de trembler, il faut bien inspirer, expirer. Il faut, c'est pour relâcher le corps, parce que ce sont des tensions qui s'accumulent. Si vous tremblez trop, attention à ne pas aller trop loin. Le corps vous dit que ça suffit. Ok? Ok? Maintenant, bassin, on pousse en avant, vers l'avant. Foum! Il y a d'autres, ça tire. La dernière séance, on sera capable de faire le grand écart. Alors, si vous vous étirez tous les jours, oui, en un mois, c'est largement possible d'avoir le grand écart. Ok. Votre bras qui est devant ici, vers la caméra, vous le posez par terre. L'autre, vous allez attraper votre pied. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous pouvez vous aider de votre serviette ou de votre ruban. Ok. Et pareil, même si vous êtes ici, c'est pas très grave. Si vous n'arrivez pas à toucher vos fessiers. Ok, très bien. Maintenant, on va étirer l'avant. On se met ici. Hop. Et on flexe bien le pied. On a presque terminé, les amis. On tient. Ok, même chose. Ici, on va glisser doucement. Donc, pour ceux qui ne font pas le grand écart, encore une fois, restez ici. Si vous avez deux petits trucs de yoga, là, les petits box, vous savez, vous pouvez vous aider. Vous prenez deux petites tables à côté de vous et glissez doucement votre pied en avant. Pour ceux, si vous commencez à ouvrir votre bassin ici, arrêtez-vous, ça ne sert à rien. Je préfère vraiment que vous réussissiez à rester ici. Pour ceux qui savent faire le grand écart, allez-y, étirez-vous. Pour les autres, vraiment, on reste ici, ok? Et on descend doucement. Pareil, attention à vos hanches. Donc ça, c'est sur cette jambe que j'ai le claquage, donc je ne force pas. Ok, super. Très bien. On vient en avant. On fait le papillon. Hop! Et on brasse de l'air. Ok. Super. Aujourd'hui, on ne va pas travailler le facial. Ce sera pour la prochaine séance. Et à chaque fois, je ferai des étirements un peu plus compliqués où je vous donnerai de nouvelles astuces, de nouveaux mouvements pour aller encore plus loin. Vous pouvez faire vos étirements quotidiennement. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous étirer tous les jours. Ce n'est pas comme le HIIT ou le cardio. C'est très très bien, au contraire, de s'étirer tous les jours et ça allongera vos muscles. Donc là, vous allez prendre votre première jambe, vous choisissez laquelle, vous la mettez sur votre cuisse, la deuxième jambe, et vous allez aller en avant. Hop, et on étire.
Normalement, ça devrait vous tirer. Ok, on revient. David, trop dur pour toi. Ok. Alors, encore une fois, si c'est trop difficile, vraiment, faites-le étape par étape. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Par exemple, ce mouvement, si c'est trop difficile, hop, vous restez en haut. Restez ici. Le plus important, c'est de ne pas avoir le dos rond. Encore une fois, même si vous faites juste ça et que vous avez le dos droit, ça va travailler. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, loin, loin. Restez ici, ok, si jamais ça vous fait mal. Hop. On va en avant doucement. Et on revient. Yes. Ok. Hop. On détend les jambes. On a bien travaillé les jambes. Maintenant, on va juste très rapidement faire le dos. Ouh, je suis proche de la cheminée. Je vais me prendre la cheminée dans la tête dans 30 secondes. Alors, dernier mouvement. On est ici. On va prendre donc la jambe que vous voulez. On va dire la jambe qui est loin de la vidéo. Okay, la jambe qui est loin de la vidéo, vous allez l'amener vers l'écran, vers votre écran. Les bras, vous les mettez de côté. Votre tête, vous la mettez du côté opposé de votre genou. Voilà. Et on essaie de bien coller notre omoplate qui est vers l'arrière de la pièce au sol. Et on essaye, pareil, de pousser notre genou au sol. Et on reste. Encore 2-8. Dernier 8. Très bien. On revient doucement vers le centre. On allonge nos deux jambes. Maintenant, la jambe qui était devant, vers l'écran, vous l'amenez à l'arrière de la pièce. Hop. Vos jambes de terre restent bien évidemment tendues. Et vous regardez la caméra. Salut tout le monde. On a presque terminé. Hop. Essayez encore une fois cette épaule-là, de ne pas la garder en haut. Essayez au maximum de twister vos corps pour que le stretch soit efficace. Ok, plus qu'un 8. 2. Super. On revient. Hop. On ramène nos deux jambes vers la poitrine et on fait des petits rocks. Ok. Hop. On se met ce qu'on appelait la position papier cadeau en Allemagne. J'appelais ça package d'allume. Hop. Et on étire. La tête vers les genoux. On étire les mains en avant. Ok. Maintenant, on va faire dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. On s'étire une dernière fois. Ok. On amène nos pieds ensemble. Hop. On saute ensemble. On déroule tranquillement, vertèbre par vertèbre. Ok. On roule les épaules en arrière. Yes. En avant. Foum. Ok. La tête demi-tour en avant. Demi-tour en arrière. Encore en avant. Demi-tour. Et en arrière. Ok, prends l'inspiration. Et voilà! Bravo tout le monde! Hop! Bravo! Je vous ramène avec moi. Alors attendez, je ne sais pas si je vais m'allonger, je vais peut-être m'allonger. Hop! Je vous mets là, ici. Comme ça, normalement, je vous ai juste en dessous. Comment ça a été cette petite séance de stretching? Je n'arrive même pas à mettre mon pied sur la cuisse. C'est pas très très grave, ça c'est pas très très grave. C'est très intimiste là. Et j'ai mes cheveux qui sortent, c'est très vilain, mais c'est pas grave. Enfin, c'est moins naturel. Ok, est-ce que ça vous a fait du bien? Dites-moi tout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais merci Adélaïde, c'est très gentil. Non, effectivement, la souplesse c'est pas inné, ça se travaille quotidiennement également.
C'est au final quelque chose qu'on oublie très souvent. Parce que le stretching, ça va permettre de rallonger nos membres, d'affiner également. Donc c'est un autre travail comme tout ce qui est pilates, yoga. C'est aussi quelque chose en fait qui va faire travailler vos muscles profonds. Et c'est eux qui vont véritablement vous donner une belle définition. Voilà, pour vous donner la silhouette de rêve dont vous rêvez. La souplesse est à revoir, c'est pas grave. Hop, c'est bien ça, des temps. Qu'est-ce que je lis en même temps vos commentaires. J'ai zéro souplesse, mais j'ai beaucoup aimé. Ben super, ça fait du bien, super. C'est triste de se dire que je pouvais faire le grand écart à 15 ans et qu'aujourd'hui, 27 ans, je peux même pas faire sans laisser un genou au sol. Non, alors Clémence, non, c'est, je pense que ça nous arrive à tous. C'est comme moi, quand je me suis fait mon claquage, en fait, je pouvais plus du tout descendre. Et au final, le grand écart est accessible à tout le monde. J'avais d'ailleurs fait un stage avec une Québécoise très très sympa. Il y a un article sur mon blog où je décrivais justement comment avoir le grand écart en une semaine. Donc c'est possible, mais attention, je conseille quand même d'avoir un corps plutôt sportif, je dirais. Mais c'est tout à fait possible d'avoir le grand écart, peu importe notre âge, peu importe notre morphologie. On pense avoir des blocages, mais au final, tout le monde peut le faire. Donc voilà, ne désespérez pas là-dessus. Ça évite de lutter contre le vieillissement des tissus musculaires. Exactement, Pascaline, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, Mélissa, je sais. Moi je suis gauchère au niveau des grands écarts. Donc, pendant très longtemps, j'ai dû travailler beaucoup parce que j'ai fait du cheerleading. Je ne sais pas si vous connaissez. Et on fait, en gros, de la gymnastique. Donc, on s'étire dans tous les sens. Et j'ai toujours eu plus de mal, j'ai toujours eu beaucoup de facilité avec ma jambe gauche, avec la jambe droite, ça a été une horreur. Petite, je n'étais pas souple du tout. Mon corps n'est pas fait pour être souple, mais j'ai appris à l'assouplir chaque jour depuis mes 4 ans, depuis que je fais de la danse. Donc c'est vraiment, la souplesse est quelque chose qu'on peut acquérir et qui nous fait du bien. Travailler tout ce qui est stretching, étirement, ça fait vraiment du bien. Je pouvais faire le grand écart avant mon entorse au genou, maintenant c'est un peu plus compliqué. Ben oui, effectivement, on peut perdre en souplesse, mais ça se rattrape encore une fois, tout est possible. Je vais me rasseoir comme ça. Est-ce que je suis encore dans l'écran? Je ne sais pas. J'ai regardé une série Netflix sur du cheerleading, justement. Oui, je l'ai vu aussi, bien évidemment que je l'ai vu. Oui, ça, c'était ma vie d'avant, tout ça. J'ai commencé le cheerleading aux États-Unis, dans une université là-bas. C'est là-bas que j'ai découvert. Après, j'ai continué en Allemagne, en Angleterre, et ensuite j'ai créé ma propre team en France. Voilà, écoutez, quels sont les meilleurs exercices pour les étirements quotidiens? Alors après, ça dépend ce que tu veux travailler. Il y a vraiment, ça dépend si tu veux étirer ton dos, parce que si tu veux faire travailler ton pont, ce genre de choses, si tu veux travailler ton grand écart. Donc tout dépend de ce que tu veux. Après, tous les exercices d'assouplissement quotidien qui sont bien, ça va être tout ce qui est yoga, vraiment, vous savez, le downward dog, le chien, le salut, le soleil, le vent, toutes ces poses de yoga, au final, sont vraiment très bonnes à faire au quotidien, voilà. Damn it. Mieux faut faire les étirements de stretching le matin ou en fin de journée. Moi, j'aime les faire en fin de journée, pourquoi? Parce qu'en fait, toute la journée, notre corps, il a été, soit on a été en position comme ça pendant toute la journée, et surtout pendant le confinement, en fait, on a tous tendance à être sur nos ordinateurs, sur nos portables, sur nos tablettes. Et de ce fait-là, nos bustes, ici, vont en avant. Donc, il va falloir justement travailler l'opposé, vraiment ouvrir notre cage thoracique et essayer de garder tous les jours nos épaules en arrière et de se grandir. Parce que le confinement, à mon avis, va amener des petits problèmes de haut du dos. Donc, vraiment, n'hésitez pas à travailler toujours votre posture quotidiennement. Même si c'est que 5 minutes le soir chez vous, c'est très, très bien. Où puis-je trouver? Quoi donc, Adélaïde? Je viens de commencer ce soir et je vais continuer. Je m'accroche. Super Charlotte, bienvenue parmi nous. Merci, merci, merci d'être là. Et bien pareil. Tac. Voilà. Donc, encore une fois, je le disais en début de séance, merci à tous ceux qui m'ont envoyé vos idées de musique
pour la séance de demain. Donc en gros, la séance de demain, ça va être votre playlist. Si vous avez d'autres idées de chansons qui sont par rapport au Covid, coronavirus, j'ai eu du France Gall, Résiste, j'ai les héros du nos héros du quotidien de Soprano, j'ai eu Jennifer, enfin, j'ai eu plein de suggestions que je trouve super sympas. Donc n'hésitez pas à continuer à me les envoyer. Encore une fois, likez, commentez si vous n'avez pas fait la séance en direct, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous ici pour avoir les directs qui se mettent directement sur vos téléphones. Parce que je viens de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc voilà. Quoi d'autre? Ben voilà, demain dans votre boîte mail également, vous allez recevoir une petite surprise demain matin. Ou en début d'après-midi avant votre séance. Donc rendez-vous 19h demain, pareil, sur YouTube pour votre séance playlist spéciale confinement. Je vous fais des bisous, vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.